Bonjour à tous, dans les actualités digitales de cette semaine, OpenAI lance son application mobile ChatGPT avec reconnaissance vocale et plugin. Google continue de défier OpenAI avec les nouvelles fonctionnalités de Bard, tandis que Google Maps offre une vue immersive 3D pour les itinéraires. Ça y est, OpenAI lance une application ChatGPT pour smartphone déployée actuellement sur iOS puis très bientôt sur Android. Gratuite et sans publicité, elle arrive d'abord aux États-Unis puis sera disponible plus tard dans d'autres pays. Les abonnés à ChatGPT Plus peuvent expérimenter GPT-4 et des fonctionnalités avancées, bénéficiant aussi d'un temps de réponse plus rapide. La grande nouveauté, l'appli permet de discuter avec ChatGPT sans taper le moindre mot grâce au système de reconnaissance vocale Whisper conçu par OpenAI. La mise en service de cette application officielle devrait entraîner l'élimination progressive des applications ChatGPT non officielles et potentiellement trompeuses. Parmi les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT figure un nouveau produit super puissant que les bêta-testeurs de ChatGPT ont pu découvrir en exclusivité cette semaine, les plugins. En réponse à l'IA de Google, Bard, ChatGPT se renforce pour rester le leader en IA conversationnelle. Ces plugins, offerts aux abonnés disposant d'un compte payant, élargissent les capacités de ChatGPT, lui permettant d'accéder à des informations à jour, réaliser des calculs ou utiliser des services tiers. Il fonctionne grâce à des API exposées par des développeurs permettant à ChatGPT d'interagir avec ses services. Des entreprises comme Expedia, Shopify, Slack ont déjà créé leurs plugins. Il y en aurait déjà des dizaines de disponibles. C'est donc une nouvelle phase dans la bataille entre OpenAI et Google. Alors que le projet Bard de Google défie ChatGPT d'OpenAI, 5 fonctionnalités clés le distinguent. Bard peut se connecter à Internet pour une mise à jour continue, donner accès aux ressources d'information, résumer les pages web, intégrer facilement l'écosystème Google pour un partage rapide et proposer 3 versions de réponses. Malgré l'absence de Bard en France et dans l'Union européenne, une solution simple permet de le faire fonctionner, utiliser un VPN. Attention néanmoins, l'IA s'exprime uniquement en anglais, japonais et coréen. Google Maps introduit une fonctionnalité de vue immersive 3D permettant aux utilisateurs de visualiser en détail leurs itinéraires. Dévoilée lors de la conférence Google I.O., cette innovation basée sur l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur fusionne des milliards d'images Street View et aériennes pour créer un modèle numérique détaillé du monde. La vue immersive permet également de surveiller le trafic, la météo et la qualité de l'air, facilitant le choix d'itinéraire. Le déploiement débutera cet été et touchera 15 grandes villes d'ici la fin de l'année, y compris Amsterdam, Berlin et New York. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle actu digitale.